En pleine forme. Aujourd'hui nous sommes dimanche 16 juin, c'est la fête des pères aujourd'hui et il est 9h30. Alors comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est la fête des pères, trop rien de prévu comme pour la fête des mères. Voilà, en fait Kimberly est en répétition toute la journée pour son spectacle de danse. Donc du coup voilà, à chaque fois j'ai l'impression que ça tombe sur la fête des pères. Quand elle était dans l'autre club, c'était exactement la même chose. À chaque fois le gala, il tombait le jour de la fête des pères. Là c'est la même chose. Bref, donc du coup elle est pas là de la journée. Elle reviendra seulement ce soir, elle est déjà partie là. Chérie est aussi au potager. Les deux plus petits dorment encore. Donc voilà, on lui a acheté des petits cadeaux et tout, hein. Il est pas au courant. On lui fera sûrement une petite surprise, mais on n'a rien de prévu. Enfin, comme l'année dernière où on avait prévu une journée dédiée à ça. Ça me fait bizarre de faire quelque chose sans un de mes enfants en fait. Voilà, j'ai l'impression qu'il manquerait quelque chose. Donc voilà, je préfère que ne rien faire quoi en fait. Et je me suis mis d'accord avec Chéri et lui c'est exactement la même chose. Donc on va en profiter, on va passer nos parents à nous en priorité. Et du coup ben, on va aller... voir nos papas respectifs. Voilà ce qui est prévu d'aujourd'hui. Alors au niveau du menu aujourd'hui, ce midi c'est une jardinière de légumes au veau avec de la viande, avec du veau, et en dessert c'est une tarte rustique aux nectarines. Et ce soir c'est notre planche comme d'habitude, mais cette fois-ci c'est façon salade bar. Donc voilà, on verra ce qu'on mettra dessus, on vous montrera ça. J'ai déjà fait toutes mes routines et tout j'ai déjà fait pas mal de choses. En fait j'allais dire que j'ai rien fait, mais si. Tout ce qui me reste à faire c'est nourrir tous mes cocos là, mes kéfirs, mes levains et tout. Mais sans de rien, ça me prend facilement un quart d'heure, 20 minutes à chaque fois de faire tout ça. Mais bon, c'est un plaisir, après c'est pour nous, enfin c'est pour du bien-être. Donc j'ai sorti mon pain, il est en train de lever, et là ce qu'on va faire c'est la pâte à tarte. Comme ça ensuite je vais la mettre au frigo et puis ben, pendant ce temps là je vais pouvoir déjeuner et tout, parce que j'ai pas encore déjeuné. Alors pour cette pâte à tarte on va avoir besoin de deux sortes de farine. Alors là c'est pareil hein. Moi je vous dis que j'ai besoin de deux sortes de farine, mais vous pouvez mettre qu'une seule sorte hein. Vous pouvez mettre que de la farine blanche si vous n'avez pas de farine complète. Donc voilà, donc on va avoir besoin de 100 g de farine complète. Ici dans ce bol là j'ai 100 g de farine blanche et 50 g d'amandes. Je vais donner à cette pâte sablée un petit goût d'amande qui je pense ira très bien avec les nectarines. Alors je vais tout faire au robot, donc j'ai mis mon robot, j'ai mis une lame. Alors moi j'ai une lame qui coupe pas, donc j'ai laissé celle là. C'est la même chose qu'une lame qui coupe hein. Le seul truc c'est que là j'ai pas besoin de hacher, donc celle là ça ira très bien. Donc on va mettre les farines, donc 100 g de farine complète, 100 g de farine blanche, donc de la T65, et c'était de la... c'est même pas de la complète, de la intégrale que j'ai mis, donc de la T150 et de la T65, et 50 g de farine. Donc c'est celle qui est au-dessus de celle que j'utilise d'habitude. J'ai dit farine mais c'est 50 g d'amandes. Je vais peut-être me répéter parce que là je me suis embrouillée moi-même. Donc 100 g de farine T150, donc de la intégrale, 100 g de farine T65, donc de la farine blanche, et 50 g de poudre d'amande. Là-dedans, je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors, je vais la faire sans beurre. Je vais utiliser de l'huile d'olive et de la purée d'amande pour donner justement encore plus ce petit goût d'amande à ma pâte. Alors, je vais prendre mon pot. Moi, c'est de la purée d'amande complète. que j'ai. On va mélanger un petit peu parce que ça fait un moment que je n'ai pas utilisé. Voilà, j'ai mis ma purée d'amande. Donc j'ai mis mes 2 cuillères à soupe de purée d'amande. Alors la purée d'amande, petit truc, vous pouvez très bien aussi la faire vous-même. Un peu comme la pâte de cacahuètes que je fais. Vous les mettez dans votre bol et vous mixez pendant un moment en faisant des petites pauses entre deux et tout, jusqu'à ce que vous avez une texture bien fluide. Ça revient beaucoup moins cher que de l'acheter toute faite, surtout si vous l'achetez bio. Alors ensuite, mais je ne sais même pas si on en trouve de la non bio, de la purée d'amande. Voilà, je pense que j'en ai jamais vu. Donc ensuite on va ajouter le sucrant. Donc moi je vais ajouter du sucre de bouleau. Je vais prendre une autre cuillère et je vais en mettre 2 cuillères à soupe. Par contre on va en avoir besoin après encore pour la tarte, enfin avec la garniture de la tarte. Voilà, je vais y arriver. Et ensuite, donc je vais ajouter quelques gouttes d'amande amère dedans pour donner encore plus le goût d'amande à ma pâte. Alors c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé. Donc je mets juste une toute petite, moi c'est une petite cuillère doseuse comme ça, c'est 1/8. Hop. Et puis qu'est-ce qui nous manque? Un jaune d'œuf. Voilà, j'ajoute le jaune d'œuf et il n'y a plus qu'à mixer. Vérifier si j'ai bien tout mis. Les farines, la poudre d'amande, la purée d'amande, l'huile d'olive, le jaune d'œuf et le sucre et l'amande amère. Alors une fois que tout est mélangé, que les ingrédients secs sont mélangés, on va ajouter un tout petit peu d'eau. Alors on va y aller progressivement parce que ça dépendra de votre farine, ça dépendra de la taille de votre œuf, voilà, ça dépendra de plein de choses. Donc tout en mixant, on va ajouter une cuillère à soupe et puis on voit ce que ça donne, on en rajoute une, voilà, jusqu'à ce qu'on a une belle boule de pâte qui se forme. Hop. Donc je prends une cuillère à soupe, j'en rajoute une. Voilà, donc là c'est une cuillère de 15 ml et on mixe. Voilà, là j'ai ma pâte qui s'est formée toute seule, vous voyez. Alors j'ai mis à peu près 6 cuillères à soupe, enfin non, j'ai mis 6 cuillères à soupe d'eau dedans. Elle a une odeur cette pâte, elle sent bon l'amande, voilà. Donc du coup on va bien tout rassembler ensemble, faire une belle boule et la mettre au frigo. Le temps que je déjeune pour une petite heure. Bon après il n'y a pas de beurre de non, donc il n'y a pas besoin à ce qu'elle soit... voilà, c'est juste pour que le gluten de la pâte se repose un petit peu. Comme on l'a chauffé un petit peu, voilà. Qu'elle soit un petit peu moins élastique, on va dire, à l'étalage quoi en fait. Hop là. J'ai mis ma pâte dans un petit bol avec un... C'est une charlotte de chez Action. Voilà. Dessus. Et je vais la mettre au frigo du coup le temps que je déjeune. Donc voilà, petit déjeuner. Donc du pain avec juste un peu de beurre. J'avais pas envie d'autre chose ce matin. Mon kéfir de lait et puis une petite salade de fruits avec une nectarine, quelques fraises et des myrtilles. Le pain, c'est un pain au levain aux graines que j'ai fait hier soir. Enfin, que j'ai fait cuire hier. Voilà. Alors, si vous avez remarqué, il n'y a plus de café sur mon petit déjeuner parce que je ne consomme plus de café. Voilà, j'ai complètement stoppé ma consommation de café. Moi qui en buvais plus de 8, hein, ça... En fait, j'avais diminué et j'en buvais plus qu'un le matin. Et en fait compte, ben, j'en ai plus envie. Donc du coup, je sais pas combien de temps ça va durer. Hein, si ça tombe dans une semaine, je rebuverai du café. Mais là, voilà... les 3 quarts du temps j'arrivais pas à finir ma tasse le matin quand je déjeunais. Déjà la première chose que je bois avant c'était du café. Maintenant je bois mon kéfir d'eau en fait le matin à jeun. Donc du coup j'ai pas envie d'un café. Voilà. Donc souvent le café, premier café de la journée c'était lors de mon petit déjeuner. Mais j'arrivais pas à le finir parce que j'avais plus faim quoi en fait. Voilà. Et puis j'avais plus cette... Voilà, le goût en fait, donc je le traînais sur toute la journée, je le faisais réchauffer, réchauffer, et voilà, arrive un moment je me suis dit bon allez stop. En plus comme je voulais plus de consommer de sucrètes, de l'aspartame, enfin c'est pas de l'aspartame mais voilà d'édulcorants on va dire chimiques, donc du coup je rajoutais du sucre en fait dedans, mais vu la quantité de café que je buvais dans la journée, il fallait à tout prix, si je voulais pas voilà être... dans la consommation de sucre, trop haute dans ma consommation de sucre, il fallait que je diminue ma quantité de café. Et du coup, ben voilà, c'est devenu... ouais, ça me manque pas en même temps. Comme hier, on a été voir le café. Bah après, c'est vrai que je bois des infusions, du thé. Enfin, du thé, non, c'est plus des infusions que je bois. Donc, entre deux, si j'en envie, j'ai envie d'une boisson chaude. Mais c'est vrai que le café, pour l'instant, ça me botte plus. Voilà. Donc, du coup, je n'en bois plus. Allez, je vais déjeuner. Puis après on va continuer cette tarte. Le soleil est en train de sortir. Qui sait, on va peut-être avoir une belle journée. Je doutais quand même ce matin. Alors, je suis en train de préparer la garniture pour la tarte. Donc j'ai pris 5 nectarines que j'ai enlevé le noyau. Je les ai coupées en tronçons. Vous cherchez pas, c'est une tarte rustique. Donc rustique, voilà, c'est pas forcément travaillé. On ajoute, on cherche que le goût là. On ajoute une cuillère à soupe de maïzena. En fait, c'est ce qui va... le jus que va rendre les nectarines en cuisant. La maïzena va l'épaissir et du coup, ça va faire comme une petite marmelade tout autour. Hop. On va ajouter un sucrant, donc 2 cuillères à soupe pour moi de xylitol. Hop. Et je vais ajouter un tout petit peu, donc c'est facultatif, hein, mais de cardamome moulu. Donc je vais vraiment mettre un tout petit peu, une pointe de couteau. Et je vais mélanger. Et ensuite, ben, je vais étaler ma pâte. Voilà, on mélange bien pour que la maïzena enrobe bien tous les morceaux de nectarine. Et on met de côté et on va s'occuper de la pâte. Ouais, j'étale ma pâte directement sur le papier sulfurisé. On va pas la mettre dans un moule, vous allez voir. On va directement mettre la garniture au milieu. On va rabattre les bords. Hop. Voilà. Ensuite, sur le centre, on met notre garniture de nectarine. Voilà. Donc on va un petit peu l'étaler, mais on va pas trop au bord. Donc voilà, j'ai bien mis les morceaux partout et je viens du coup rabattre les bords de la pâte vers le centre, sur le bord des nectarines. Alors, je vais... essayer de faire un petit truc joli en faisant des petits plis. Ouais, j'ai bien bordé la tarte. J'ai plissé un tout petit peu, hop, pour retenir correctement, pour que ça fasse joli. Je la mets dans une plaque et on va l'enfourner. Du coup à 200 degrés dans un four préchauffé. Enfin non, je vais mettre 175 degrés. Pendant une petite demi-heure, il faudra faire attention parce que moi, comme j'ai sucré avec le xylitol, ça a tendance à plus vite caraméliser. Les loulous sont en train d'emballer leurs cadeaux pour leur papa. Et moi, je suis en train du coup de préparer pour la jardinière de ce midi. Alors, j'ai fait revenir mon veau dans une cocotte avec juste une cuillère à soupe, à café, d'huile de colza. Donc, une fois que c'est bien doré, j'ajoute une gousse d'ail, un oignon émincé, et je vais déjà commencer par faire cuire mon veau avant d'ajouter tous mes légumes pour éviter qu'ils soient trop cuits. Donc là je fais revenir un petit peu mon ail et mon oignon, et ensuite je vais couvrir avec un petit peu de bouillon de veau, de bœuf. Donc là je vais saler et poivrer ma viande. Alexa, stop! Hop là! Je vais ajouter 25 centilitres d'eau avec un cube de bouillon. J'ajoute une feuille de laurier et un peu de thym. Je vais couvrir et laisser cuire ça pendant une bonne demi-heure, 3/4 d'heure pour que ça commence bien à cuire au niveau de la viande, pour éviter qu'ensuite tous mes légumes soient trop cuits. Surtout les légumes comme les pois gourmands ou les petits pois qui vont assez relativement vite à cuire, même les haricots verts. Par contre, ce que je vais peut-être rajouter d'ici une demi-heure, c'est les pommes de terre et les carottes. Donc là, c'est une bonne demi-heure de cuisson. Je vais ajouter des carottes. Donc j'ai l'équivalent de 4 petites carottes coupées en morceaux. Et puis des petites pommes de terre. Donc c'est des pommes de terre de Noirmoutier, c'est des pommes de terre primeur. Donc pas besoin d'enlever la peau. Hop, on les nettoie correctement, on les coupe en 4. Voilà, j'ajoute ça du coup dans ma cocotte avec ma viande et on va continuer la cuisson. J'ai sorti la tarte du four, je l'ai mise sur une grille pour qu'elle refroidisse et que l'humidité, pour qu'elle garde un petit peu son croustillant. Alors on verra à la dégustation si vraiment... voilà, comme il n'y a pas de beurre dedans, on verra au niveau de la pâte ce que ça donne. En tout cas, elle est jolie. Voilà, et vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir, au niveau du milieu, en fait, le jus a bien fait une petite marmelade avec la maïzena que j'avais mis dedans. Voilà, bon, on va laisser refroidir, c'est un peu chaud. Et puis, on va continuer du coup, parce que là, je suis en train de m'occuper de tout ce qui est kéfir et tout, je ne l'avais pas encore fait. Alors, on va ajouter du coup les légumes. Donc moi, je mets plein de légumes dedans. Après, à vous de voir, on met ce qu'on veut, on fait dans la jardinière. Donc là, j'ai des haricots verts surgelés qui m'énervent parce qu'ils laissent les queues. Voilà, je vais ajouter des petits pois. Hop. J'ajoute aussi un peu de flageolets. Les pois gourmands, je vais en mettre aussi, mais je vais attendre un petit peu parce que ça cuit super vite. J'ai pas envie que ça fasse de la bouillie. Je vais ajouter des champignons. On va mélanger. J'ajoute un petit peu de laitue dedans. Hop. En fait, je vais juste enlever le gros... et la mettre comme ça entière. Donc voilà, tous mes légumes sont mis sauf mes haricots plats et l'oignon nouveau que je rajouterai à la fin. Enfin, les haricots plats, je vais les mettre 5 minutes avant. Hop. Donc je vais couvrir. Alors si besoin, n'hésitez pas à rajouter un peu de liquide si vous voyez qu'il n'y en a plus assez. Là, je vais en remettre un petit peu. Je préfère en mettre un petit peu à la fois qu'en mettre beaucoup tout de suite parce que j'ai peur après qu'il y en a trop. Voilà, et je veux quand même une sauce qui soit assez condensée et pas, enfin, qui ait du goût. Voilà, hop, je mélange et je mets le couvercle et je continue la cuisson pendant encore une bonne demi-heure. Enfin, on va dire 20 minutes là. Voilà, mon repas est en train de cuire, je me suis occupée des kéfirs et tout, j'ai plus que mon pain à former, ce que je vais faire. Et les loulous ont emballé leurs cadeaux pour leur papa, enfin les loulous, il n'y a pas Kimberley donc. Et ils ont préparé une petite table avec l'apéro, voilà. Comme je vous ai dit, très simple cette année. Hop, voilà. Et Stécie, elle a fait des petites serviettes cœur. Donc ouais, il y a du chou-fleur. Angel a fait des petites olives à l'ail et au persil. Voilà. Et ça, c'est la tartinade végé que j'avais achetée à Lidl Belgique la semaine dernière, qu'on a oublié de mettre sur la planche. Donc je l'ai sortie. J'ai goûté, ça va, c'est bon. Ouais. Bon, après, faut aimer le goût, quoi. Enfin, comment dire, c'est pas... C'est relevé, voilà. Et on sent bien les épices. Bon allez, je vais me pétrir mon pain. J'ai mis ma tarte dans son plat avec un petit peu, j'ai juste saupoudré un tout petit peu de sucre glace. et mis une petite feuille de menthe sur le milieu. En tout cas, la croûte, elle a l'air d'être bien dure. On verra si elle est bien croustillante ou pas. Voilà, elle n'est pas molle comme l'autre la dernière fois que j'avais fait, que j'avais pas du tout mis de matière grasse et j'avais mis que du petit suisse. Elle était bonne mais elle était molle. Là voilà, je voulais quelque chose d'un peu croustillant. Donc je verrai si j'ai réussi en mettant un peu d'huile d'olive et un peu d'amande. Mais en tout cas le goût de l'amande, j'espère qu'il est bien présent. Et en tout cas ça sentait super bon l'amande quand je l'ai faite et dans le four. Puis là, la nectarine cuite. Allez, je m'occupe de mon pain. Puis on se revoit après. Ah, chérie est rentrée du potager. Il m'a ramené salade, radis, oignons et quelques fruits et légumes. Il vient de voir la table. T'as vu quoi? Bah, les cœurs. Les cœurs. Ouais, j'ai rajouté aussi les pois gourmands dans le plat, voilà. Et le temps qu'on boit l'apéro, ça va continuer à cuire. Hein? Donc t'as vu la table? T'as mis des petits cœurs, t'as vu? Ouais, j'ai vu. Hein? C'est pas eux. C'est pas eux? Non, c'est pas eux. Ah, si, bah si, c'est Stacy. Stacy! Ah ouais. On a bu notre petit apéro. Hop, les loulous ont offert leur cadeau. Et voilà ce que ça donne du coup la jardinière. Voilà. Alors j'ai juste rajouté les petits oignons tiges à la dernière minute. Mélangés. Et voilà. Allez, on va manger. On va passer au dessert. Je viens de couper la tarte. La pâte est bien croustillante. Elle est fine. On verra au goût, je vous dirai. 2h20. Le soleil est sorti, mais c'est pas encore ça. Hein. Mais bon, il fait bon. Hein? Donc c'est déjà ça. On a fini de manger, on a mangé le dessert. Donc la tarte, elle était bonne. La pâte, elle était croustillante. Voilà. Donc rien à redire. Manquait peut-être juste un tout petit peu de sucre, mais je pense que ça dépend du palais. Parce que voilà, enfin, on va dire qu'il n'y a personne qui m'a fait la réflexion. J'aurais pensé, quand je l'ai goûté, je me suis dit, ils vont me dire qu'il manque de sucre, mais non. Voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, il n'y a que 4 cuillères à soupe de xylitol dedans, donc il n'y a vraiment pas grand chose. Mais je pense qu'on commence aussi tous à se faire au goût, voilà, pas fort sucré. Chérie s'est reposée, moi en attendant, j'ai été faire mes ongles, donc je les ai un petit peu raccourcis, je les ai reponcés correctement, j'ai refait mon plein de... j'ai comblé en fait ma repousse et j'ai mis un vernis, mais c'est un vernis très clair, je vais vous le chercher, je vais vous le montrer. Hop, c'est la marque Essence, c'est un No Makeup Look. Alors est-ce que vous allez voir, là il fait la mise au point, mais sur allez. Donc, et c'est un numéro, alors c'est un très clair et c'est un finish, un poudrerie finish. Donc c'est un fini poudré en fait, il est pas très, il est pas brillant quoi en fait. Il fait très naturel comme ça, voilà. Bah. Du coup là ce que je vais faire, c'est que je vais ranger les 2-3 trucs. J'ai fait cuire mon pain aussi. Je vais vous montrer le pain aujourd'hui. Je me souviens un peu, je pense qu'hier c'était à la farine d'épeautre. Voilà. Ils sont vraiment de plus en plus beaux et ils sentent de plus en plus bons. J'ai commencé à vous faire la vidéo. Donc là, je vous ai fait le pain. Enfin, voilà, il reste encore le pain. Et puis, qu'est-ce que je vous ai filmé aussi ce week-end? Comment je nourrissais mon levain. Voilà. Il me reste encore les farines et vraiment la fabrication du levain aussi à faire. Je le ferai sûrement cette semaine. Vous aurez sûrement la vidéo lundi. Bon, là je vais me mettre un petit peu sur le PC, j'ai ma liste de courses à faire pour demain, mon menu est fait, il me reste ma liste de courses et répondre à vos commentaires. Et ensuite, on va sûrement aller chez beau papa et chez mon papa à moi, pour, enfin chez nos parents respectifs. C'est vrai que je dis beau papa, mais belle maman elle vit avec, et pareil pour mes parents, il y a maman qui vit avec papa, donc du coup on va aller chez les parents et on va aller souhaiter une bonne fête à nos parents, à nos papas, voilà. On est en route, on va chez nos parents respectifs du coup, pour souhaiter une bonne fête à nos papas. Il est presque 4h déjà, enfin il est 4h, on vient d'avoir une averse, mais voilà. Alors moi qui venais de dire à chérie, oh j'irai bien dans le spa ce soir, on va monter un petit peu la température, il fait bon dehors, on a 20 degrés. Mais voilà, il fait pas super beau, enfin de temps en temps il y a le soleil qui se cache, mais je me suis dit avec l'eau qui est chauffée et tout, hein. Mais là non, je pense pas. À moins que c'était juste une averse et que le soleil ressort et que... Hein. Mais on n'avait pas eu d'eau nous ce matin. Bah ouais, c'est ce que tu dis, mais nous on n'avait rien eu. Bon allez, donc du coup on va croiser les doigts pour que le temps reste comme ça et qu'on n'aura pas fait chauffer pour le spa pour rien. Si on a le temps en même temps, hein, parce qu'il est déjà 4h donc... Même Kimberley qui était en répétition cet après-midi, elle a fini plus tôt, elle devait finir à 17h mais je crois qu'ils se sont pris l'averse donc ils ont dit stop, on arrête là. Parce que comme c'était une répétition en extérieur, elle m'avait parlé d'un chant, qui répétait dans un champ. Donc du coup voilà. Allez, on y va, on va aller récupérer sa grande du coup. Enfin quoi que non, c'est pas nous qui la récupérons, c'est Jean-Chérie du coup, qu'elle a fini plus tôt. Donc on va d'abord chez les parents alors. Allez, tout à l'heure. On est rentré, il est presque 8h déjà. Mais bon, ça fait une bonne demi-heure qu'on est rentré. J'ai préparé la planche, donc ce soir c'est planche salade bar, je vous montrais. Alors en fait ce que j'ai fait c'est que tout au long de la semaine, quand je faisais quelque chose, j'en faisais un peu plus en prévision. Je les mettais dans les boîtes Fosa pour que ce soir on n'a pratiquement pas de cuisson à faire. Donc là tout à l'heure j'avais fait cuire des œufs pour faire des œufs durs, des dés de jambon, des petites tomates, des croutons, les lentilles. Donc du coup j'ai fait une salade cette semaine avec des lentilles, j'en avais fait un peu plus pour garder pour la salade. Brocoli c'est exactement la même chose, là c'est du riz, c'est pareil, cette semaine j'en avais fait cuire un petit peu plus pour en avoir en plus. Un mélange de graines, des échalotes, enfin des oignons nouveaux, des lardons de volaille, des dés de comté, un concombre qu'on vient de ramener de chez mes parents. Donc à peine cueilli, déjà mangé. Et la salade, pareil, qu'on vient de me ramener de chez mes parents. En fait, mon père a une grande serre dans son jardin. Il a un énorme jardin, en fait. Et il a une grande serre, style les serres qu'on peut voir chez les maraîchers, en fait. Donc du coup, dedans, il va déjà avoir des tomates. Il commence déjà à avoir des concombres. Enfin voilà, il met beaucoup de légumes comme ça, qu'ils ont besoin de beaucoup de chaleur. Et du coup, bah, il y a souvent beaucoup de légumes avant nous. Voilà. Le chanceux. Alors c'est une serre, mais voilà, comme quoi qu'on peut cultiver en serre tout en étant sain, parce que voilà, c'est en serre, il les a un peu avant nous, mais c'est tout quoi en fait. Il met pas plus de produits parce que mon père aussi fait une culture qui est voilà, qui est raisonnée en fait. Voilà, quand il met du produit que si vraiment c'est nécessaire. Et les 3 quarts du temps, voilà, il n'en met pas. J'ai ramené aussi une grosse botte d'oignons, une salade, donc la salade qu'on vient de ramener, et puis une belle salade frisée. Et j'ai ramené aussi un bouquet de fleurs, mais il a pris un petit coup dans la voiture. Donc on va voir s'il va revenir à lui. Je sais pas, je l'ai mis là-bas. C'est les mêmes fleurs que j'avais ramenées la dernière fois. Avec des... La dernière fois, je sais plus ce que j'avais dit. C'est des œillets de poète. Voilà, ça sent très bon. Bon allez, on va manger. Donc le petit truc, c'est qu'on prend une assiette creuse. On sert chacun la salade qu'on veut. On met un peu de vinaigrette. Et voilà, donc c'est pour changer un petit peu du style apéro dînatoire. Voilà, allez, on va manger. Il est quelle heure? 21h57. Quelle heure aussi? 21h57. 20h ou 21h? 20h57. Bon, 20h57. Je vais clôturer, je vais mettre mon maillot de bain et je vais aller faire un plongeon pour profiter quand même du spa qu'on a fait chauffer. Il est tôt encore, donc je vais aller faire un petit plongeon de 20 minutes. Il fait beau, le soleil est ressorti. Je ne sais pas du tout quel temps ils annoncent pour demain. On espère que... Hein? Que l'été est enfin là. Chérie est en train de s'occuper des légumes qui a ramené du potager que j'ai ramené chez mes parents. J'ai super mal au dos encore une fois, donc du coup je pense que le spa va me faire un petit peu du bien. Demain Journée courses, j'ai fait ma liste de courses. Je voulais faire un drive, mais bon, il n'y a pas grand chose sur la liste. Donc je pense qu'on va aller faire les courses, mais je voudrais aller chez le primeur et sûrement chez le boucher. Donc je verrai. Peut-être que je ferai les courses en fonction de ce que j'ai pas trouvé dans les petits magasins. Je verrai ça demain. Et puis du coup moi je vais vous faire un gros bisou. La planche, voilà, c'était bien, ça changeait. Salade, c'était voilà. En plus on avait mangé du gâteau un petit peu ce midi et tout, donc c'était très bien. Donc voilà, je vais vous faire un gros bisou, je vais vous dire à demain du coup pour une journée avec nous, nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.